Nous sommes une organisation qui représente l'ensemble des médecins des centres de santé en France. Dans la perte d'autonomie, nous avons une action puisque effectivement beaucoup d'entre nous sommes médecins généralistes et donc médecins traitants. Et au quotidien, nous accompagnons des personnes en grand âge pour éviter la perte d'autonomie. Donc dans notre conception, le renforcement des équipes de soins primaires, des centres de santé notamment, à vocation de service public, pourrait permettre une diminution de la perte d'autonomie en ayant un meilleur accompagnement au sein des structures qui ont aussi un volet parfois d'accompagnement médico-social, et on souhaite qu'il soit proposé une augmentation des financements pour les médiateurs médico-sociaux, les accompagnements médico-sociaux au sein des centres de santé qui permettent justement de faire le lien et de diminuer la perte d'autonomie des patients en étant en lien notamment avec les centres d'action sociale, avec les EHPAD, avec les différentes structures médico-sociales.